Et puis yo tout le monde, c'est Spitzley sur Titanfall. Oui, désolé si ma voix est un peu, ou je sais pas si vous m'entendez bien, ou je sais pas si je parle un peu trop loin. C'est que voilà, j'ai pas envie de, je me suis coiffé et puis tout ça, et j'avais des voix pourtant. Puis j'ai pas envie de, de mettre mon casque par-dessus parce que ça a tout gâché tous mes cheveux. En plus demain j'ai un autre rendez-vous, alors voilà. Désolé, ça m'entendait pas bien, juste approcher le micro. Ok, c'est bon. Comme vous m'avez bu, comme la dernière fois, je vous ai dit que j'avais fait le 8-9 et maintenant j'ai fait le 9, hein. Avec toutes les conditions de génération. Le plus dur, ce qui était pour moi, c'est le titanesque. Faire 50 fois le meilleur score de votre équipe. Bon, c'est pas très dur, c'est juste que voilà, vous utilisez un smart pistol. Mais là, ce que j'ai trouvé le plus chiant, c'est voilà, vous utilisez smart pistol, le hemlock et le sniper. Oh, le sniper, c'est tellement chiant ce truc-là, man. Je sais que je suis super bon, mais c'est genre, j'ai vraiment apprécié le sniper parce que voilà. Même si le monde y court super rapidement, je me suis vraiment abusé à tuer tout le monde. Le Hemlock, oh, ça, vous allez, le Smart Class c'est plus facile. Le Hemlock, vous allez un peu chier. Ça va être un peu dur pour vous. Si vous connaissez pas le gun, si vous l'utilisez pour la première fois. Le Sniper, pour moi qui joue Sniper, je l'ai vraiment bien apprécié. J'ai vraiment fait beaucoup de kills avec. Bon. Canon plasma, attendez, je vais vous montrer. Le chain gun, oops, désolé. Chain gun, vous le mettez normal. Vous n'avez pas besoin du grand accélérateur. Le canon plasma, je vais vous montrer. Alors attendez, canon plasma, j'ai mis tir instantané. Vrai que vous faites moins de dégâts, mais juste que vous tirez exactement, il faut que vous visez sur le rouge. Sur moi, je tirais instantané, même si je faisais pas vraiment de puissance de dégâts, ça me dérangeait pas. Alors voilà, qu'est-ce qu'il vous restait d'autre? Bon, ça, bon, smart gun, ça, le chain gun, vous utilisez, attendez, je vais vous montrer. Vous utilisez le même. Chain gun, chain gun. Voilà, celui-là, mais vous mettez pas l'accélérateur, vous mettez lui. Parce que lorsque vous mettez lui, vous perdez de la précision, comme vous pouvez voir ici. Vous perdez un peu de précision et c'est ça qui est chiant. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Oui, apparition mortelle. Bon, désarmer, vous savez désarmer quelqu'un quand il est sur le rouge et que vous savez comment désarmer. Mort réincarnée, ce truc-là, il faut avoir ça. Attendez, je vais vous montrer. Et je vais même vous montrer pour l'apparition mortelle. Alors, mes atouts. Si vous avez escouade fantôme, gardez-les, c'est les meilleurs. C'est que il faut que vous tuez lorsque vous êtes camouflé. Vous avez deux choix. Ou vous utilisez cette carte-là, escouade fantôme, à moins que vous utilisez comme. Attendez, que c'est ce que je vais vous montrer. Vous utilisez des charges explosives comme celui-là, charge en sacoche. Celui-là, vous les mettez. Celui-là marche sur les minions, sur les spectres, sur les soldats, sur les soldats. Vous lancez ça et vous explosez. Votre capacité de camouflage ne se perd pas et vous faites des kills gratos. Voilà, c'était juste ma petite. C'est beaucoup plus facile pour vous de faire ce petit défi rapidement. Oui, comme le camouflage, ça je vous l'ai dit pour le camouflage. Le mort réincarné. C'est qu'il faut que vous éjectez, mais moi je vous conseille fortement d'utiliser, juste vous mettre capacité, non pas ça celui, désolé, non pas ça, ouais, éjection nucléaire, vous êtes obligé de l'avoir. Et puis si vous pouvez activer, attendez je vois, j'espère que je l'ai, oui, non, Redifleur, je pense ça devrait être à la fin, je sais pas si je les ai enlevés, voilà, super charge explosive, c'est beaucoup mieux, sur les soldats et sur les spikes ça marche aussi. Vous faites plusieurs kills avec ça. Vous mettez à côté, quand vous êtes proche de mourir, vous mettez à côté. Vous essayez de vous mettre à côté d'un titan ou à côté des spectres et des soldats. Et vous faites ça et vous l'activez avant. Vous l'activez avant. On va dire par exemple, vous mourrez, vous l'activez et vous envoyez votre titan. Voilà, comme ça vous pouvez, comme ça vous l'utilisez sans perdre de temps. Et c'est ça qui est meilleur. Comme vous pouvez voir, j'ai des lancers de dés. Juste vous les montrer. Cela coûte en 39 000 et 55 000, je sais pas comment on appelle ça, attends, je vais vous montrer. L'ancienne des 55 000, ok? Ces cartes-là, qu'est-ce qu'ils fassent? C'est une carte que, voilà, à chaque 1 minute et demie, exactement, elle pioche dans vos atouts. On va dire, par exemple, j'en ai deux. Par exemple, 1 minute et demie, ça va me donner ça, l'autre 1 minute et demie, ça va me donner ça. Alors voilà, ça pioche entre les cartes, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas qu'est-ce que vous voulez, c'est elle qu'est-ce qu'elle décide, mais ça choisit une de vos cartes dans vos atouts que vous pouvez utiliser à chaque 1 minute et demie. Et cela ne se perd pas. So, par exemple, on va dire que j'utilise jambes synthétiques, après 1 minute et demie, j'utilise ça. Et voilà, vous continuez, je continue jusqu'à ce que voilà, vous les enlevez de là. C'est une carte qui dure indéfiniment, ça ne se perd pas en un match. Alors voilà, c'est très pratique. Bon, des fois, c'est sûr que si vous voulez juste ça, vous êtes obligé, c'est pour ça que j'en mets juste deux.
Désolé. Et puis le défi, je vais vous montrer Titanesque après un peu de temps parce que voilà, il fallait que je fasse 50 fois le meilleur score. Et puis voilà, je vous ai tout montré à peu près. Ben, je vais vous montrer aussi le régénéré. On l'a vu assez mal de fois. Voilà, génération 10, vous passez. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, génération 9. Génération 10, vous regardez. Attention, vous gagnez 350%, mais vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas de défi. Attendez, je vais vous montrer. Blablabla. Ouais, Axina, ok, oui, c'est bon. Regardez, regardez, comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous bootez sur la version 9, là vous bootez vers la version 10, attendez. Ouais, voilà, version 10 du BIOS, voilà. C'est ça que j'ai remarqué, voilà, vous passez à chaque fois dans le BIOS. Ça que j'ai remarqué, et puis voilà, ben on tombe. Juste vous faire une petite partie vite faite, mais là, ouais, au pire je vais vous faire une petite partie vite faite. Ok, mais je le sens encore correct. Désolé, il faut juste que je regarde. Alors, on va s'enlever ça. On va doubler mes XP. Va juste vous faire un petit match vite fait. Vous allez voir combien je gagne à peu près avec le double XP. Et ça va vraiment être le, ben, ça va vraiment être le fun pour vous parce que voilà, vous pouvez voir où est-ce que je suis rendu. Et il faut vraiment que je mette le smart pistol. Ben voilà, ceux qui. Bon, voilà, il y a du monde qui aime pas que. What the fuck, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma putain de vie. Regardez ça, toutes des deux, j'ai jamais. Oh, mais là, oh. Mais là, c'était toutes des deux, j'avais jamais vu ça de ma vie. Depuis que j'ai commencé à jouer à Titanfall, j'ai jamais vu une rangée de génération 2. Bon, c'est pas très grave. Alors voilà, je viens de passer génération 10. Ouais, ça a pris un peu de temps. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps quand même, j'ai pas vraiment fait de vidéo. Je voulais pas toujours vous montrer Titanfall, c'était long, c'était plate pour vous. Mais pour moi, je m'ennuie pas, je m'ennuie jamais, je m'ennuie jamais de tant que je l'ai pas fini, je m'ennuie pas. Je me dis, bon, puisque j'ai acheté le jeu, je vais le finir complètement. Hein. On va j'attends 20 petites secondes. Je vais commencer à activer ça. Bon, juste enlever ça encore. Voilà. Je vais mettre des doubles XP. Voilà, j'ai envie de booster un peu plus rapidement que les autres. Alors voilà, si je meurs, ben, je l'active. Équipement de pilote, on va prendre Assassin. Allez, allez, allez. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo de. Bon, Titanfall, tu sais. Ça va être bien. On va faire voilà, une petite vidéo de Titanfall, ça fait pas de mal à personne. Voilà, je suis niveau 10. Voilà, génération 9, je me suis dit, bon, c'est pas très intéressant. Je suis obligé de faire des défis. Je suis obligé de passer niveau 4 pour vous montrer les défis et tout ça. Là, bon, j'ai voulu skipper ça. Puis la dernière, je voulais vous le montrer. Voilà, parce que vous, oh, génération 10, waouh. À tout le personnel, Oh. attention ici. Attendez, désolé, juste baisser un peu le son. Voilà, j'avais mis un peu fort. Oh, là, c'est un peu trop faible. Désolé. De détruire les tours de répulsion au cœur Voilà, de comme je vais vous Sarfès. montrer, attendez. La Voilà, milice vous devra voyez? devant À les chaque ennemi gardiens d'ennemi, de ça passe. En plus, l'ouverture. j'ai 3 lol. Si nous échouons, cet endroit sera à la merci des Voilà, comme vous pouvez voir, je viens de ennemis. l'utiliser. Allons Vous allez dérouter voir les après une tours minute et de demie. défense Une minute, ennemis. après une minute, hop. Après une minute et demie. C'est un combat Allez, d'attrition. lol. Éliminez toute la milice. Ah, bah là, je sais pas. Oh, c'est quoi ça? Mais je m'en fous de ça, juste. Ah, bah, c'est pas très grave là. Là, je peux rien faire. Non, ça sert absolument à rien, ça. Oh, j'ai fait un kill avec un pin. J'ai fait un kill. Oh, me fait tirer dessus. Pourquoi il tire? The fuck? Je sais pas si je vais se tirer dessus. Ah, bah ben là, le mec est dehors, mais je suis en train de voir. Oh, je suis bloqué. Ben là. Non, mais lâchez-moi ça. Je vois où ce qu'il est, le mec, je suis dehors, alors moi je suis en train de tirer devant vous. Je pensais qu'il était là. Là, il est plus. Oh, boy. Ah, juste faire un peu plus. Voilà, niveau 2. Voilà, smart gun, quand même une tête. Voilà, vous allez voir là, ça coûte plus cher pour eux. Je vais toujours m'amuser à faire ça. Et qu'il y en a des fois qui se lâchent là, non, personne.
Vas-y, utilisez le XP. Oh boy, what? Il m'a vu? Merde. Non, c'est pas très grave. Voilà. On est à la traîne, elle n'était pas gagnée. Rien à foutre. Mais attends, mais what? Le mec il m'a même... Pff, ok. Genre, c'est trop drôle ça. Genre, le mec il me vise même pas. J'ai un smart gun. J'essaie de le tuer, ça marche pas. Donc. Va avec ça, ça. De toute façon, je vous dis, mais je suis vraiment... Mais j'ai... C'est pas que je suis tanné, juste vraiment tanné de jeu. Mais oui. Dégage. Ouais, point, point, le mec est mort. Niveau 4, c'est beau, on est même passé. Juste faire le maximum de points. Bah, le maximum de points, le maximum de XP. En faisant ça. Mais attends, mais merde, le mec il meurt pas là, lol, c'est pas possible. Bon, c'est pas très grave. Oh, quelqu'un qui campe. Là, on va le tuer. Ah, bah, y'en a un autre. Il est où? Il était là! Coltine les agents d'infiltration miliciens dans les tunnels de la tour Est. L'un d'eux essaie de s'échapper. Une femme touchée au bras, il y a du le sang. Les hommes la prennent en chasse. Merde, j'ai pris un coup d'eau là. Chier, j'ai pris un gros coup. La tour se disloque. Ils ont un genre d'appareil, un truc qui déstabilise la tour. Mais attends, mais je suis avec ou quoi? C'est bon niveau 5. What the f... What the heck? What? Il m'a vu comment? Ok, le mec a juste voulu regarder, puis il s'est dit bon, je vais regarder par là. Hein? C'est bon, camp encore. Vas-y, continue de camper. J'en ai rien à foutre. J'ai toujours aimé ça le monde qui campe comme ça. Oh putain. J'ai toujours aimé le monde qui campe comme ça. J'en ai. Eh oui. Oh, come on, c'est laid ça. C'est laid, j'ai ça. Si mon gars n'est pas encore amélioré. Mais t'as ça, hein. Bloc. Oh, lol. C'est toujours n'importe quoi, celui-là. Hey, comment ça va me faire chier là? Oh, what the fuck? Tu vas regarder l'autre qui snipe en haut, il a pas encore compris ce mec là. C'est vrai que le mec a encore compris. Ticlo! C'est que là c'est une tapette, mais les mecs qui restent qui fait là encore, là, c'est pas possible. Ce mec là il est trop drôle, j'adore ce mec là, j'adore. Attends, mais je l'ai kické! Mais je l'ai kické! What? Mais je l'ai kické! Je vous dis, ce jeu-là est tellement mal foutu, là, à la fin. Ben oui! Attends, moi je lui donne le coup de pied, le mec il meurt pas, mais quand c'est lui qui me donne le coup de pied, je meurs. Je vous dis, man, c'est n'importe quoi. Je vous dis, c'est n'importe quoi. T'es sûr qu'il est mort, là? Je suis pas sûr de ça, là.
mec, il me donne un coup de pied, c'est moi qui meurs, mais quand je lui donne un, il meurt pas. Non, bien sûr que non. Ah, check là. Dégage, man. Mec, il fait quoi? Il essaie de me tirer avec un Sidewalker. Un Sidewinter, je crois, tout ça, là. Oh, check ma bonne grenade qui sert à rien. Mais il va exploser. Et voilà niveau 9. Et qui va mourir. J'arrive pour vous détruire. Oh le super. C'est n'importe quoi. J'ai toujours aimé. J'ai jamais aimé ce jeu là de toute façon. De toute façon. Il y a des fois que vous comprenez même pas comme ça. Je vais donner un coup de pied, le mec qui sort, il continue genre comme si de rien n'était. Ouais, je suis encore vivant. What? C'est n'importe quoi. Ça sert à savoir comment ça laguait, genre je sais pas à chaque fois non, avant, mais genre lorsqu'ils ont sorti le nouveau pack, le 6.03. Yo, mais tout le monde se faisait déconnecter à chaque fois, j'avais juste vous montrer. Voilà, 3.5, 27 000, où j'ai fait un peu ça. Ah voilà, vous avez des filles par jour, ceux qui ont rajouté. Et puis voilà, il n'y a plus de défis pour génération, ça, le truc arrête au niveau 10. Ah, oh, bon, c'est tellement rendu n'importe quoi ce jeu, j'adore. Je vais donner un coup de pied, mais il est pas mort, ouais. Il y a trop de bugs dans ce jeu-là, c'est genre. Ils se sont dit, bon, ok, on a fini, bon, on s'est dit, le jeu, bah, tout, comme, genre, par exemple, tout le monde a commencé à jouer, comme, tout le monde a commencé à jouer avec le jeu. Et après ça, ils se sont dit, après ça, ils se sont dit, bon, ben, puisque tout le monde est presque parti, bon, ben, on s'en fout, on va juste laisser le jeu comme ça, là. Je dis, là, là, là. Ah, voilà, vous avez pu acheter ça. Ah, merde, je pouvais pas. Alors, vague sur ça, j'ai pas envie de continuer de jouer sur ce jeu-là. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais mettre niveau 50. Mais, pff, après ça, il n'y a plus rien à faire. C'est juste, vous amuser à jouer sur des serveurs à peu près vite. Personnellement, moi, non, j'accepte pas ça, moi. Je sais pas si c'est un serveur. Ok, il y a encore du monde vrai, mais quoi, il y a quoi? C'était pas comme avant, là. T'sais, avant, il y avait vous jouez, puis il y avait plusieurs personnes. Il y avait genre peut-être une centaine, 200 personnes qui jouaient dans le jeu-là. Maintenant, il y a à peu près la moitié. Alors, je me suis dit, ben, on va sur ça. Ça ne plaît à rien. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, il y a encore deux jeux que j'ai achetés, que je n'ai pas encore testé. Ben, j'ai même pas encore téléchargé, que j'ai pas encore testé, que je vais tester pour vous. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, juste finir Titanfall. Et puis, prochaine vidéo, juste me mettre niveau 50, et puis après, je vais vous montrer, puis expliquer un peu tout le jeu. Et puis voilà, c'est tout le monde pour, c'est tout pour l'instant. Et moi, je vous dis merci de m'avoir écouté. C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. C'est pas à cause de Titanfall, c'est juste que voilà, j'ai pas envie de tout vous montrer, tout ce que je fais à chaque fois de Titanfall. Et puis voilà, c'est juste un peu long, et un peu chiant avoir toujours Titanfall, avoir une liste de 200 vidéos sur Titanfall. Alors voilà, prochaine vidéo, ben, je vous montre le niveau 50 et la génération 10 et après ça je passe sur nos yeux, ne vous inquiétez pas, ça c'est sûr à 100%. Moi je vous dis à la prochaine, au revoir tout le monde.